Pierre Espérance à l'en grand prison, Kotcherson, il fait 3 heures de temps, 45 minutes. Dans qui sont carcéral, un citoyen, pral chita pendant 3 heures de temps, 45 minutes. Pour faire qui ça? Il y a Kotcherson, tout non. Il met chaîne dans pied, chaîne dans rel, l'international, il a passé l'examen, et il rend compte qu'il n'est pas coupable. Et qui moun kal traduit pour Kotcherson? Marie-Rosie Auguste du Sénat. Yon même nan kidnapping nan, qui fait kidnapping nan, c'est le cas traduit pour Kotcherson. C'est yon ba Kotcherson, avocat, il se met Mario. Donc, c'est un cas, et nous demandons, commissaire gouvernement, faut le faire pressé, pour demander pour que yon auditionne tout le monde qui est impliqué nan AXA, que nous-mêmes nous qualifions de kidnapping. Là, nous dénombrons ça, nous avons plus que 10 chefs d'accusation contre l'expérience dans ça. En dehors de kidnapping, association malfaiteur, gain étranger qui mélange la donne, gain vol téléphone. Ouais, nous avons quelques la donne toujours. Gain plus que 10 chefs d'accusation dans sa crivée, Kotcherson. Nan. Donc, dans ce sens, nous-mêmes nous disons que commissaire gouvernement, DCPJ, jette pour. Si c'était un lot, longtemps, il a auditionné. Mais il y a passé chez Kotcherson. Donc, ça, il est clair, et dossier ça m'a dit nous là, il prend sur le plan international. Clair! Nous parlons sur le plan international avec lui, sur tout rapport assassinat, massacre, crime que Pierre Espérance fait citoyen en d'un pays. Ça. Déjà, nous en contact avec des organisations internationales et dossier Netti, Diego Charles, massacre d'Elma 32, tout parle sur le tapis. Faut lumière faite sous lui et DCPJ gagne toute information possible et imaginable sous gang 4x4 là. Dernière date. De Florival Mendy, qui a arrêté dans Saint-Marc, dans affrontement avec la police. Monsieur, ça a impliqué dans tuer policier. Il y a une zame la police dans le monde d'après information de CPJ Guénamel. Il a arrêté avec plusieurs autres mounes. Et monsieur certifié, il justifié que il s'est bras droit et gang 4x4 dans la Tibonite. Il nous a dit que gang 4x4 est un bail qui est puissant. Donc, déjà là, allez. Au niveau des CPJ. Des CPJ, il faut que j'en baille rapport. Tandis que l'Ibaï blanc, l'Ibaï international, prochaine conférence qu'on a fait là, on a vu avec liste moun qui était chita des CPJ, qui a le temps de rapport des CPJ gagné, plainte gagné, dossier gagné, super expérience. Monsieur étranger, ça, ok, je me doute que sorti Texas, il a tellement saisi, il a été mis en tête. Il a été prêt à faire une conférence de presse, il n'a pas fait. Ça, il a entendu, ça, il a ouais, maman petite, Marie-Van. C'est grave. Pour une organisation de droits humains. Mais dis-nous encore que il y a arrêté Florival Mendy avec matériel toute information ça. Et dans ce sens ça nous dit que faut DCPJ assumer responsabilité pour faire lumière sous gang 4x4 là pour rapport à jeune commissaire gouvernement même gens que commissaire gouvernement dit la tonne rapport sous gang 4x4. Donc, Pierre Espérance a fait diversion, la a diversion. Je n'ai pas annoncé que Pierre Espérance parle en pays. Hein. Ok, pour une raison, pour une autre. Il trompe vigilance de CPJ. Dis-nous ça. Il te prend prétexte que il est malade, il est macouclou, il est malade. Il faut qu'il y ait un médecin très en ligne pendant une période de 3 ou 4 jours, bien 8 jours. Mais nous sommes au 4e mois là, Pierre Espérance n'est plus. Pierre Espérance passe sous sol là. Mais il a créé toute diversion, il a bien tout support, moun. Donc, dans ce sens, ça nous dit que Kotcherson Lagui, travail a continué, il a continué à mener la bataille là, jusqu'à ce que Kotcherson joigne justice et réparation, et que la justice, actuellement là, pour plainte par nous, pour plainte par nous, je vais vous une petite précision pour nous. Pour qui ça peut espérance te fait maintenant dans le rapport? Je veux dire, je clair sur ça. Il y a deux raisons fondamentales. Première raison, hein, c'est parce que les RNDDH crasés, Marie-Hélène Gilles Kittel, la montée, j'éclairé. Elle est directeur général. C'est moi qui monte le dossier pour j'éclairer. C'est-à-dire analyser, le voyer dans la direction affaires politiques qui occupait de l'affaire fondation. Et puis moi qui finalise, invité, venir corriger, finalement, nous remettre le dossier avec les signatures appropriées. Et puis j'éclairer a fonctionné. J'espère que pas d'accord. Il est fâché. Et il contacte des amis, il explique que je supporte Marie-Hélène Gilles. Deuxième élément pour nous connaître. Deuxième fait, il y a un monsieur qui est dans ICO qui est impliqué dans détournement de l'argent de l'État. Il a fait chèque, un seul chèque qu'on fait 3-4 fois, plus passer 36 millions de gouttes que le ministère de l'Intérieur a perdu.
commissaire gouvernement a instruit le dossier, il a arrêté Mounsayo. Mais probablement, monsieur Ikoa, c'est lui qui te compte changer chèque pour monsieur. Et lui dit famille, monsieur, la venger. Mais raison, ok? C'est deux raisons, ça, fondamentales. Monsieur a mouru dans prison parce que tu as arrêté dans détournement l'argent de l'État, puisque 36 millions de gouttes, 12 millions, etc. On seul jour, il y a 12 millions de gouttes qui changent. Et puis, nous procédons avec arrestation toute équipe là, la justice qui est béo. Et puis, comme c'était allié Pierre Espérance, depuis que nous Pierre Espérance, on va à droite. Et puis, monsieur dit, famille, monsieur, je ne connais pas, qu'il a vengé. Donc, et puis, il fait saloperie rapport là, et puis, il mettait le nom là-dedans. Donc, moi-même, comme moi-même. Mettez grand dans mon dame, gouma monsieur, je veux information pour qui ça le fait, et puis nous jouons moun qui fait yo, moi dis monsieur, on a jugé sous dossier la saline, on a jugé sous dossier gang 4x4 qu'il te voulait kidnapper nous là, moun va témoigner tout ça dans le DCPJ, on a jugé sous la monnaie avec 10 politiciens de l'opposition qui participaient dans la mort, dans moun qui mourit d'elle matin de yo, et dans la monnaie, ça au clair. C'est clair, nous avons tout nos yo et nous demandons, il faut procès au fait. Et lui me dit, non, pas d'accord pour ces fait, il faut l'enterrer tout dossier. Mais raison qui fait ça, arrivé là, journée, jeudi à la. Donc, en gros, dernier kidnapper arrêté pour Pierre Espérance, c'est Fleurival Mendy, dans Saint-Marc, 12 janvier, il paraît devant la police, devant il témoigner le 17 janvier 2023. Merci. Objectif conférence, ça tout d'abord. C'est pour nous faire le point sur deux éléments importants. Pour demander de CPJ pour auditionner l'ensemble de monde qui était kidnappé Pierre Estérin, et qui était kidnappé Chelson Sanon. Parce que les Chelson Sanon expliquaient tout détail. Nous, son kidnapping pur et simple. Comment ça? Il prend téléphone, il allait dans un côté avec lui, il a séquestré les biens dans la prison et Pierre Estérin porté dossier. Donc, le commissaire gouvernement a pour responsabilité mandé pour auditionner Mounsayo. Et ça, c'est plus grave là. Pierre Espérance a une conversation à Chelson, l'élève Chelson pour la guerre. Conversation ça a mené là. Il fait du 11 novembre au 21 décembre. Et Chelson explique comment tout le bagage passe. Deuxième bagage, on a dit. L'objectif là, c'est pour nous dire, DCPJ, gang 4x4 là, où il y a assez d'informations sur lui. Dernière d'actualité, c'est Fleurival Mendy qui est impliqué dans tuer policiers. Nous voyons comment la situation policière est dans le pays ça, et nous déplorons ça et nous demandons justice et réparation pour tous les policiers qui tombent dans le pays ça. Donc, en gros, il y a arrêté plus que 12 membres dans le gang 4x4 là et dossier ça, libre à aller sur le plan international. Merci.